Bienvenue, cher Lion, dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, c'est la période qui va du 4 août jusqu'au 4 septembre prochain. Et donc, comment se structure votre jeu? Comme d'habitude, en fait, la carte d'ambiance qui est ici, trois points différents. Le premier, c'est la partie du présent. La deuxième, c'est un obstacle ou quelque chose à développer. Et enfin, la partie qui évoque donc l'évolution de la situation. Sur la deuxième ligne, on a un autre jeu avec trois points également. Donc le premier, c'est l'orientation pratique à prendre. La deuxième, c'est la guidance émotionnelle. Et la troisième, alors ce sera soit la synthèse par rapport à votre jeu, ou en tout cas l'évolution de votre situation. Alors, on commence avec la première carte qui est la carte d'ambiance. C'est l'arcane des amants ou des amoureux, hein, c'est suivant le jeu en question. Alors, elle nous donne une énergie pour cette période qui va vous amener à prendre une ou des décisions durant laquelle vous allez peut-être prendre une nouvelle orientation. Et donc, avec ça, c'est pourquoi il y a des décisions à prendre, des choix à faire importants durant cette période. Sur le premier point, donc, on a une carte temporelle qui représente en fait le point du présent. Et c'est la carte future, qui s'appelle Futur. Et cette carte, je pense que, en fait, pour l'instant, vous êtes vous avez un sentiment peut-être d'incertitude et vous êtes en train de justement prendre, réfléchir, prendre du recul pour prendre une décision. Vous avez des choix à faire et que vous êtes en train de faire, en fait. Et c'est pour une transformation. Alors c'est peut-être par rapport à votre image, l'apparence que vous avez, le style de vie, une nouvelle orientation, une transformation dans votre façon de faire, dans votre comportement, pour justement attirer la personne qui vous intéresse, pour approcher la personne qui vous intéresse. Alors j'ai parlé, c'est vrai, j'ai pas donné le détail tout à l'heure, j'ai parlé de personnes donc célibataires, ça peut être donc quelqu'un que vous avez à l'esprit et que vous avez déjà des sentiments donc pour cette personne. Vous êtes donc séparé, divorcé, ou alors ça peut être également un lien par rapport à une personne de votre cercle familial ou votre cercle amical. Voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, c'est en fait vous êtes en train de prendre des décisions pour prendre une nouvelle orientation, faire de nouveaux choix, changer. Et c'est en lien avec la période de l'automne. Alors, ça va évoluer petit à petit, bien sûr, jusqu'à cette période dite de l'automne. Là, vous commencez en fait à avoir certaines idées qui émergent, certaines volontés, certains souhaits, désirs qui émergent. Sur la deuxième carte, donc le deuxième point, on a la carte de la modeste qui est dans son sens renversé. Et donc on est sur le point de où on parle des obstacles, de l'obstacle ou de quelque chose à développer. Et là, je pense que c'est pour moi plus quelque chose à développer. C'est comme ça que je vais en parler. Donc on vous dit qu'il faut prendre du recul. C'est ce que déjà vous êtes en train de faire. Prendre du recul et trouver les bonnes attitudes qui conviennent au rapprochement. Donc voilà. Et que vous voulez. Et il faut en fait être amené à percer à jour la volonté de l'autre personne, ses goûts, ses choix personnels, découvrir cette personne, l'inviter également à vouloir faire la même chose que vous pour mieux faire connaissance. Je remarque en fait que cette carte-là, elle est vraiment, même si elle est renversée,
le personnage qui est dessus fait face. Donc, il est vraiment dans la franchise, la volonté d'être vrai avec l'autre, de parler vrai. Sur la dernière carte de cette ligne, on a l'évolution de la situation avec la carte qui s'appelle la guérie et elle amène l'information que il y a une très grande franchise et également donc de la douceur, de la tendresse, en tout cas de l'affection pour attirer cette personne. Il y a une très grande attraction. Vous avez beaucoup de, enfin vous aurez, puisque c'est plus un petit peu dans l'évolution, donc un petit peu dans le futur, même si c'est un futur assez proche, de la géné vous exprimez beaucoup de générosité et il y a de l'intensité, on voit qu'il y a de l'intensité dans ces sentiments que vous avez pour cette personne. Et peut-être que cette personne aussi, mais elle n'en a pas encore parlé et peut-être qu'elle l'évoquera, elle répondra à votre attente peut-être par la suite. Pour l'instant, on a vu sur les deux premières cartes, il y a juste votre réflexion, votre, entre guillemets, votre préparation pour attirer cette personne, attirer son attention. Sur la deuxième ligne, on a avec l'autre jeu la même expression par rapport à cette volonté de prendre des décisions, de faire des choix, d'être loyal avec soi-même et avec donc cette autre personne, d'avoir beaucoup de franchise. Alors peut-être qu'en fait, ça peut être le cas que vous avez reçu une proposition et que vous êtes en train de réfléchir à cette proposition. Vous prenez le temps. Et que là, en fait, vous prenez en ce moment, vous êtes en train de prendre la décision, votre décision. Et apparemment, c'est positif, hein, pour moi, avec ce jeu-là. Apparemment, c'est positif. Et vous prenez en fait vos responsabilités, votre responsabilité par rapport à cette réponse. Sur le deuxième point, donc ici, on a la carte qui s'appelle l'influence céleste. Alors, je ne vous ai pas montré l'autre, mais je vais quand même vous montrer celle-ci. Je ne veux pas oublier. Voilà, l'influence céleste. Et alors, cette carte signifie que il y a de l'amour. Donc là, on est vraiment dedans. On était avec la carte de l'ambiance, on était déjà dedans avec une décision à prendre. Ici, pareil, vous êtes en train de prendre votre décision. Et ici, dans la guidance émotionnelle, on vous confirme qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour qui plane entre vous et cette personne à laquelle vous avez envie d'aller plus loin. On vous dit de ne pas garder pour vous donc ce que vous ressentez. Et on vous dit même, on vous pousse encore un peu plus. On vous dit, c'est le moment de vous ouvrir à l'amour qui vient vers vous. Sur le dernier point, on a la carte du chakra racine. Le chakra racine qui parle d'ancrage, de vérité, et là, d'intégrité. Et là, on vous dit par cette carte, donc dans l'évolution et même, je peux dire, de la synthèse de votre jeu, qu'il y a de l'intégrité, une volonté de vérité, d'être soi pour l'autre et envers l'autre. Il n'y a pas de détour pour exprimer ses sentiments. On y va directement. En tout cas, ce lien, on vous dit de tenter de créer un attachement vrai. De toute façon, il n'y a même pas une tentation, parce qu'en fait, il n'y a que de la vérité qui est exprimée. Avec une forte volonté, une implication qui est vraie
pour une relation durable, hein. Voilà, cher Lion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très vite. Au revoir, cher Lion.